La campagne de vaccination contre la Covid-19 poursuit son bonhomme de chemin. Les militaires de la base Kamina ont eu la chance d'être sensibilisés pour prendre le vaccin, l'unique moyen pour lutter contre ces fléaux. C'est pourquoi cette campagne, appuyée par Breakthrough Action sous le financement de l'USAID, ne doit souffrir d'aucune faille et bénéficie de l'accompagnement du gouvernement de la République. Voilà l'essentiel de cette adresse aux troupes rangées pour cette circonstance. Les malades mabé, les acosili sabato, alors esengeli, tous les qui sont non vaccinés ou non comme ça, tu vas être malade. Et si on y est, tu vas kende. Et de la voix, puisque qui t'as déjà vacciné, tu vas être malade. Tu es kani. Les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, base Kamina, ont compris que l'unique moyen pour lutter contre la pandémie, c'est les vaccins. Voilà ce qui justifie cet engouement, nous dit Dr Emedi, responsable de la division médicale à la base Kamina, et d'autres éléments qui se sont vaccinés. Les militaires ont reçu l'ordre de se vacciner aujourd'hui, plus tard. Donc ceux qui n'ont pas eu, parce qu'il y a ceux qui sont venus de Lubumbashi qui en avaient déjà eu, et ceux qui n'en ont pas eu, il faut qu'ils fassent cela aujourd'hui, plus tard. Saint Oyo et Zali qui protégeaient Bisognoso, Babangate et Lokomoko Izate, Bayamingi, Bakimate. Convaincus par le message, certains éléments qui avaient des doutes au début promettent de sensibiliser à leur tour leurs proches à la vaccination. Pour eux, la résolution est prise, celle de bouter hors d'état de nuire cette pandémie.